Je suis là juste pour un événement. Je suis le prophète
peut être façon, mais ça va très bien. Nous sommes dans le développement. Nous sommes là pour le développement. Dieu m'a donné un don. Ma chambre m'a donné un don pour lutter contre les œuvres des ténèbres. La sorcellerie qui est le mal, les fêtes d'Afrique. Donc je suis le vice-militaire de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et la crise africaine. Je suis aussi le responsable d'un mouvement qui était appelé ministère de la compassion des âmes. J'ai aussi un centre de prière ici à Zaropo. Ça fait pratiquement une année que nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous avons ouvré dans la région de Bali ici à Zaropo. Il y a eu tellement de choses qui sont passées. Et par juste à sa grâce, nous avons seulement une plusieurs pour pouvoir dire toutes les choses qui sont du village. Il n'y a pas que cet événement seulement, parce qu'au fait, nous sommes là, il faut suivre un peu le travail. On ne peut pas parler des 400 écoles. Voilà, 100 écoles. Pour nous, il y a une génération qui parle, une autre doit venir. Il y a des tâches que je fais. Je suis allé ma reçu des chutes à la maison, je suis avec nous. Nous revenons de bord. Nous sommes allés à dehors, faire du bon travail pour nous faire de l'argent. La grâce, c'est ce que nous faisons, c'est bien. Ici, avec les petits moulins. Pourquoi? Parce que nous passons la relève. Nous passons la relève, nous allons voir, nous allons faire avec les cadres. Nous allons faire avec les cadres, surtout, c'est des peuples qui forment d'ailleurs, et c'est des gens qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger ces personnes. Parce que pour nous, il faut que demain, les arrêtons soient des cadres. Et donc, il faut les soutenir. L'église ne doit pas être celle qui est dans la main, mais l'église doit donner. L'église est un moyen. C'est ça que la Bible est claire là-dessus. Jésus dit, nous sommes la lumière du monde. Celui qui sommes la lumière, celui qui devrait éclairer. Je pas ici l'année dernière, j'ai vu, il y a des enfants qui ont des soucis, des problèmes. Pourquoi s'inscrit tout ça? Moi, ça m'a personnellement touché. Et j'ai aidé au moins 30 élèves. Et je me dis que cette année, il allait faire plus que ça. Et ça va continuer comme ça par la grâce de Dieu. Amen. Pour pouvoir aider l'école. Que cette école-là, cette école soit les quatre. La prochaine que je suis revenu encore. J'ai posé la question au directeur, est-ce qu'il y a eu des enfants en 6e? Il m'a répondu positivement, j'ai dit gloire à Dieu. Donc on a besoin quand même de faire ces actions en action, afin de pouvoir encadrer. On a toujours besoin de soutien. Et je veux aussi remercier les instructeurs, voilà, vous qui n'avez pas de fort pour encadrer ces élèves. Et surtout que vous êtes dans un village, le ministère est chargé de vous donner le bon pour votre soutien. Nous sommes basés ici à Zaropo, surtout dans la région de Divo, faisant la sous-préfecture de Guinée, pas pour déranger quelqu'un, mais nous avons pour une ennemie commune, qui est le diable. Voilà, diable, nous arrivons à débarrasser les gens de leur sorcellerie, nous arrivons à débarrasser les gens de leur maladie mystique, et nous sommes un moyen de développement. À part ici, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Très bientôt, nous allons réaliser, nous allons réhabiliter le dispensaire de Zaropo. On n'a pas vraiment de cas. Moi, je me sens contre là. Et si je peux aider, parce qu'il y a ce que Dieu peut faire, il y a ce que les humains peuvent faire. Jésus dit, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Le spirituel, bien sûr. Jésus même a donné à manger aux gens. Il n'a pas prié pour que le monde des gens soit rempli. Il m'a donné à manger. Moi, quand je passe, je vois... le dispensaire est encore fermé, j'ai chaud sur le cœur, mais je pense que les choses sont en train de voir très bientôt avant le monde de ça. Nous allons réhabiliter ici. Ici, Dieu merci, on fait là pour les élèves, nous allons voir les filles sur l'air, beaucoup de bénédictions à cette école, et que cette école soit le cadre. Nous voulons voir les cadres. Les cadres qui vont bientôt diriger la Côte d'Ivoire, les cadres qui vont, n'est-ce pas, supporter la Côte d'Ivoire de l'Inde, tellement. Au nom de mon collègue Biafrin et au nom de tout le personnel enseignant Zaropo, nous disons sincèrement merci au prophète. C'est pas parce qu'on a eu à causer. Vous savez, quand le soutien marche, tout marche. On a eu à la 13e au moins 90%. C'est à lui et au vaillant instituteur. Ce matin encore il vient pour nous faire un don. Vraiment, qu'il soit remercié. Parce que
En ce temps, je rappelle où les parents ont un problème. C'est un coup plus d'argent pour nous. Donc, nous disons merci. Il faut aussi dire que ce geste-là nous va droit au cœur. Mais je vais nous dire que Zaromo, c'est un centre d'examen. Vous voyez tout à l'heure, il dit qu'on trouve plus de 90%. Mais il n'y a pas de banc. Donc, vraiment, qu'il soit informé. Bon, je vous encore merci. Et que Dieu bénisse son ministère. Amen. Ben, je vous avais promis 20 000 francs. Bien, ce n'est pas caché. Le peuple l'a dit tout à l'heure. Il nous remet 20 000 francs comme soutien aux enseignants. C'est pas caché. Merci. Le monde est terminé. On dit au revoir.